Oh, je vois Vincent. Putain, Max, tu m'as niqué mon plan. Il est là. Max, les gars au loin, il est là-bas, regardez. Ça va? Je t'ai mis à faire descendre. Ok, ça marche. Yeah. Oh, y'a un radar là-bas! Y'a un radar! Non! Non! Arrêtez-vous! Salut mes chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un cache-cache déguisement avec un casting légendaire, mon Vince. Oh oui, légendaire. Ah, t'essaies de m'attraper. Yes, je suis là, je suis là. Il y a mon Vince. Ça, l'équipe. Vincent Madeleine, vous le connaissez. Mon Sache, première fois sur ma chaîne. Deuxième fois sur sa chaîne, il se rappelle plus de moi. Moi, je me souviens très bien de lui. À l'époque, où le quiz foot. Le quiz foot, putain, quiz foot. Ça fait plaisir. Direct le bad buzz. Enchanté, Sacha. Tranquille. Et ce qui est bien avec Sacha, c'est que déjà il vient de Marseille. Ouais, ça c'est bien. Super. Ça c'est super. Et deuxième des choses, on était en U15 au SMUC ensemble. On faisait du foot ensemble. Équipe qui 3. Était meilleur? Moi. Équipe 3, par contre, tous les deux relégués sur le banc. On était vraiment nuls. Non, moi j'étais équipe 2, mais j'allais aider l'équipe 3. Et Thomas? Non, je suis pas déguisé en Johnny Hallyday. Voilà, c'est bon, on arrête. Non, non et non. Très bonne vanne. Merci. J'adore ce début de vidéo. Merci beaucoup. Le concept est très simple. On va être dans différentes places de Paris et on va chacun avoir un déguisement et ça va être un cache-cache tout simplement. Donc ça va être super drôle, pas vrai? Ah ouais, pas parisien, il pleut, j'aurais envie de rentrer chez moi en fait là. Ouais, voilà. Premièrement, c'est parti, on est à Bastille et voici les déguisements. 1, 2, 3. Merci à Jaffi d'avoir sponsorisé la vidéo, je vous en parle juste après. Je vous laisse 2 minutes les gars, cachez-vous bien. Thomas, t'as aucune chance. 1, 2, 3, c'est parti. Ciao les potes. Thomas, il a aucune chance. Il est énorme, je vais le voir. Y a pas un arbre assez gros pour le cacher. Pas Thomas personnellement, le déguisement de Thomas. J'ai déjà trouvé ma cachette les gars. On est tous partis. Ah ouais? Ouais, regarde. Toi, on te voit. Quel que soit. Quel que soit l'endroit. C'est bon. Hey Vince, tu peux venir? Mais attends, mais je suis con, faut pas que je regarde. Je pars avec deux désavantages. J'ai le costume le plus voyant, jaune flou, il y a tout le monde qui me regarde. Et en plus de ça, moi je viens de Marseille, donc je connais aucun lieu ici à Bastille. Pour moi, Bastille, c'était une map d'un call of, tu vois. Donc là, je me retrouve un peu. Et si je m'allonge là? Ah, moi je sais où je vais me cacher. Je vais me cacher là, je pense. Toto, tu me vois ou pas là? Bah oui, je te vois, t'es con. Tout le monde te voit. Sûr? Mais oui. Je sais pas trop où je vais me cacher, les gars. Putain, je suis tellement le kleps que je pense être. En tout cas, une belle journée pour faire des tournages sympas, quoi. Ça me regarde, c'est horrible, il y a tout le monde qui me regarde. C'est une vidéo pour Michou, vous inquiétez pas. Michou sur YouTube. Regardez la grosse banane. En vrai, là, j'ai une bête de cachette. J'allais me cacher ici. Ah, putain, mais ouais, mais je passe même pas là. J'allais même pas passer ici. Vous êtes déguisé en banane, vous aussi? Non? Bah, je sais pas trop me cacher, vraiment là, c'est... Y a pas de cachette, wesh. Donc là, en gros, on a le droit de se cacher sur la place de la Bastille, plus la contre-allée. On a le droit d'aller sur le trottoir d'en face aussi. Je vais craquer. Ah, sa mère. Attendez. Oh. Aïe. Y a des ronces partout, les gars. Ah, c'est vraiment l'enfer. J'essaie de me cacher d'autre part. Bonjour. Ah, la gênance. Y a personne qui peut me rater. J'ai plus trop de temps pour me cacher, les gars. Ah, je vais me mettre en bas. Je vais me mettre en bas, les gars, regardez. Là. Là, en vrai, ils peuvent pas me trouver, là. En fait, je suis pas déguisé en banane, je suis déguisé en crackhead. Je suis exactement dans le lieu. Mais normalement, il est pas censé me trouver. Oh, ok. Là, les gars, c'est bon. Bête de cachette, là. Putain, les gens, là, ils vont voir. Ça y est, ils vont voir un sumo en train de se cacher. C'est vraiment pour Max, hein. Bah, y a plus qu'à rester comme ça. En vrai, j'ai un peu le seum parce que je peux vraiment, vraiment, vraiment pas dissimuler, là. Genre, je peux même pas m'asseoir. Genre, je suis dans une position tellement inconfortable. Putain, je sais pas du tout, je connais pas du tout la place en vrai. Je connais pas assez la place. Je vais essayer de me cacher vers les commerçants. Que je pense pas qu'il va se dire qu'on a les couilles d'aller vers les commerçants. Sachez que j'adore déjà cette vidéo. Hein. Mon top 1 vidéo de l'année, de très très loin. Time to go, je vais aller chercher les loustiques. J'ai aucune idée de où ils ont pu bien se cacher parce que en voyant la pièce carrément, en voyant la place, je me suis dit, il n'y a aucun moyen d'être discret ici. C'est une place, il n'y a rien. Et pourtant, je les vois pas. C'est quand même étonnant. Il pleut de fou. Je sais pas à quel point ça va être beau à la cam. En même temps, à quel moment ça peut être beau de voir ça. Où est-ce que je vais me cacher? Putain, hey, il est trop grand pour moi, le déguisement est tombé tout. C'est terrible. On va faire un premier tour par ici. Je me dis que là, il y a des toilettes, mais non. Hey, premier degré, je suis un petit peu étonné. Je m'attendais à en voir un derrière un arbre comme un con. Finalement, ça va. Est-ce que ils ont pu descendre les escaliers, là? Je vais aller vérifier ça tout de suite. Ah, il y en a forcément un qui s'est caché près de la scène. Oh, je vois Vincent. En fait, ce qui est bien avec Vincent, c'est qu'on le voit avec son déguisement de mignon, là. On sait exactement où est-ce qu'il est. Non, y'a personne, hein. Putain, mais en fait, ils sont bons. Oh, oh, ils se rapprochent vers moi. Ah, les gars, ils se rapprochent. Oh, je suis à trouver personne. Alors, on va aller checker dans ces petits buissons, là. S'il y en a pas un dans les buissons, je me coupe un doigt. Je finis la vidéo avec 9. Oh, bordel, ils se rapprochent. Et je regarde quand même dans les rues à côté, parce que finalement, il y a plein d'endroits pour se cacher, hein. Même si t'es un sumo. Bah non, y a personne, hein. Je
déconne, Tau. Putain, mais mec, d'où je me trouve en premier? Attends, tu m'as trouvé en premier là? Ouais. Quoi? C'est une super cachette. Hein. J'avais la meilleure cachette. Alors? J'avais la meilleure cachette, un frère. Un mi-son en plein milieu d'une place, c'était évident. Ah mais je pouvais me cacher où d'autre? Nulle part. Avec ça, ouais. Nulle part. Mais bien joué quand même. Merci. Hein. Non, franchement, c'était vraiment bien. J'ai été bluffé. Quand je suis arrivé sur la place, il y avait personne. Je pensais te voir derrière un arbre, comme ça. Ah ouais, comme ça. Bah, je l'ai tenté. Max m'a dit que ça se voyait un peu trop. Ça se voit un peu, ouais. Ok. Oh, derrière là, c'est bien, non? Mais là, non? Je suis derrière un truc de publicité, là. Je sais pas comment ça s'appelle. On a fait l'intro là-bas, donc je pense qu'il nous a vu partir derrière, donc il va passer vers là. Les gars, faut que je vous fasse une confidence. La semaine dernière, je me suis fait à manger, je voulais me faire à manger steak frites. Le plat classique quand t'es étudiant, je suis plus étudiant. Le plat classique pour ceux qui savent pas cuisiner. J'ai commencé à me faire les frites, mais il y avait pas de steak. Pourquoi? Parce qu'il s'était caché. Bon bah écoute, on va trouver les autres. Par contre, j'avais pas capté, mais vu qu'ils peuvent se cacher sur les rues à côté, en fait, ça laisse beaucoup de possibilités. Ah bah ouais, mais moi je sais pas où ils sont, hein. En vrai, je les ai même pas vu se cacher. Surtout un Max qui est marron, tu vois, ça se cache bien. Oh non, me dis pas que. Oh non, il y a un marché. Marché. Ah si c'est ça, la vidéo, elle va durer 3 heures. Non, mais le marché, tu peux pas y aller, frère. En vrai, oh, tu peux pas y aller. Non, je pense qu'ils sont pas allés. Non, non, en vrai, non. Je suis pas sûr de celle-là aussi, non. Pour la couper au montage ou pas? Ah putain, je le vois. Thomas, il s'est déjà fait trouver. Je vais mettre dos à eux, je vais voir s'ils me captent. Je vais mettre à quatre pattes et je vais faire genre. Je graille. Franchement, les Parisiens, je vous plains. Hein. Moi, je viens de Marseille, je pars de Marseille. Il fait très beau, grand soleil, 38 degrés au mois d'octobre. J'arrive à Paris, il pleut, 18 degrés. On dirait que je suis parti de France, je suis en Belgique. Bonjour madame, ça va? Vous allez bien? Je pensais vraiment, premier degré, que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. Ah ouais? Je pensais que j'allais vous cramer en 2-2. Et attends, faut regarder, je pense, derrière des buissons comme ça aussi, genre. Ah ouais, le truc à la con. Bah, à un moment, va falloir traverser, je pense. Hein. Après, est-ce qu'ils ont le droit de bouger? Non, en vrai, non. Enfin, dans les règles officielles du cache-cache. Ouais, c'est ça. La fédération a dit non. Que je me dis, s'ils tournent en même temps que nous, on est juste niqué. Bonjour, vous aimez bien le déguisement? Ah, il est bien fait, hein? Ouais, ça manque les déguisements? Ah bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Hein. Ah ouais? Eh ben vous pouvez, hein? Il suffit d'acheter un déguisement ou d'aller chez Jaffy, c'est ok. Hein. Comment vous me trouvez? Pas mal? Non, je suis pas en cosmonaute. Non, en banane. Je ressemble à un cosmonaute? Bon, Max, va falloir investir sur les déguisements, là, ça m'a pris pour un cosmonaute. Oh là là, c'est fou! Attendez, mais on est en train de tourner une vidéo pour YouTube, est-ce que je peux vous filmer ou pas? Vous faites comment le chien, vous? Là, je suis en train d'imaginer un des gars qui est caché, mais dans un endroit où il y a quand même des passants. Et les passants se disent, mais que fait une banane collée à un poteau en pleine pluie? Ouh, je crois que je l'ai vu passer, là. Je crois que je l'ai vu passer. Mais en vrai, il peut même pas me trouver. Regardez où je suis. Je suis dans un recoin. À part s'il veut venir prendre le métro là-bas, il va pas descendre. Il va pas avoir le réflexe de descendre. C'est impossible. C'est une dinguerie. Mais ça hurle. Ça gueule. Gueulet chez gueulet. Hein. Bonjour, hein? Non, il y a personne. Non, il y a des gars. Mais les gens, ils pensent qu'on est fou. Mais c'est eux qui sont fous. Eh, bien dit. Oh, il y a une banane. Il y a une banane. Il y a une banane. Mais ça, c'est une vraie banane. Il y a une vraie banane. Attendez, les gars. Non, Tau, n'y va pas. N'y va pas. Arrête, Tau. Arrête. C'est pas lui. C'est pas Sacha. Non, c'est pas lui. Religion, c'est fou. Ouah, les gars, je vous jure, je pensais que c'était Sacha. C'est une vraie banane. Je vous jure, les gars. Ouah. Eh, à ça, hein. Franchement, mec, le déguisement était super bien fait, c'était lui. Hein. Mais de loin, ça crée l'illusion. Comment vous appelez? Régino. Et vous, c'est comment? Maximilien. Maximilien. Non, je suis là, moi. Attends, ah oui, je suis là. Bon, les gars, petit appel à l'aide. J'ai eu deux rêves dans ma vie. C'était un jour de voir Cristiano Ronaldo jouer sur un terrain. C'est fait, voilà. Je l'ai vu pour un Portugal-Pologne pour l'Euro 2016. Et mon deuxième rêve, c'était de rencontrer Brieux. Et c'est toujours pas fait, voilà. Je le vois à chaque fois à travers les écrans, dans les vidéos de Max, dans les vidéos de Lucas, sur Instagram, sur TikTok. Mais j'ai toujours pas réalisé ce rêve. Donc, si vous pouvez m'organiser un date avec Brieux, franchement, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je sais plus ce que c'est Boléro de Ravel. Maintenant, c'est français. Ok. Mec, premier degré, c'est vraiment dur. Mais ouais, frère, franchement, je pensais que ça allait être archi simple. Ah non, j'ai pas celui-là. Mais en fait, vu qu'il a autorisé les rues un peu adjacentes... Ouais, c'est ça qui nous nique. Parce qu'en fait, Parce que sur la place, frère, tu peux rien faire. Hein. Je pense que le niveau max, c'est t'arrives à t'incruster dans un resto, ils acceptent, c'est incroyable.
Ah mec, là-bas c'est bon. T'en as un? Bah oui, regarde. Ah oui, y'a mec. Ce gros con, il est en train de discuter. Mais il est en train de discuter avec quelqu'un. Pépère, il tape la discussion. Viens, 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 on va derrière lui. Vas-y. Là, on est en train de. Je fais un cache-cache. Il est pas là. Je suis peut-être repéré. Je suis peut-être repéré par les gens qui nous. Monsieur, excusez-moi, on cherche un chien. Un chien? On cherche un chien. Il est là, le chien. Bonjour, vous trouvez déguisé en passant. Ah ouais, t'as une séquence de. Attends, c'est une chouette là. Toi, t'as une sacrée. Attends, mais il est déguisé en chouette. Il est déguisé en chouette. Non. Il est déguisé en chouette. Thomas. Thomas. Non, il est là. Thomas. Thomas. Qui fait le mieux le chien entre Régino et moi? Ruff. 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 Bah, c'est Régino. Mais attends. Vu qu'il a le déguisement. Oh, c'est la chouette. C'est la chouette. Oh non, il est déguisé en chouette. Ouais. Les gens, ils font des gens de smile. De smile. Le smile, les gars. Il a raison, le monsieur. Soyez comme Régino, parce que là, par exemple, il fait moche. Mais si on sourit, il fait beau d'un coup. POV, Sacha, en ce moment. Y'a un chien, non? Là, là, là. Non, c'est moi. C'était moi. C'était moi. C'était moi. Oh, l'illusion. C'était moi. Elle est folle. Les gars, je me suis caché à 10h34. Il est officiellement 10h44. Ça fait 10 minutes que je suis caché. Je sais pas encore s'il a trouvé les autres. Mais pour le moment, je suis bien. J'ai eu aucune once de peur. Là, j'ai cru le voir passer tout à l'heure, mais je suis même pas sûr. Donc, je suis vraiment bien là. Mon Dieu, tous les gens qui passent en me regardant. Oh là là. Bon, allez, on va aller chercher notre ami banane. On a une banane à aller chercher. Merci, Régino. Une banane. On doit aller chez... Il y a quelqu'un qui est déguisé en banane. Oh, une imitation de la banane. La banane. Comme vous faites. Putain, c'est une banane. Oula. Elle a l'air très bonne cette banane. On va, chercher la banane. Merci beaucoup, Régino. Merci, Régino. Merci, Régino. A bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci, Régino, pour le sourire. Ah. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup, Régino. Ah ouais, le mec, il... Je suis obligé d'aller là-bas. Ah, je vais me faire trouver. Hein. Je dois aller en haut. Là, sur le côté. Ah, ça va, merci. Parce que là, il lave tous les escaliers et tout le bas du métro. Donc, il m'a dit je dois remonter. Mais si je remonte, c'est impossible qu'il me trouve pas. Je suis jeune pétante. Oh, Max, le marché. Elle est où la grosse banane? Est-ce qu'il n'y aurait pas une banane dans le marché? Oh, ça serait drôle. Non, mais en vrai, je pense qu'il a trop peur. Ouais, je pense qu'il serait pas jusque-là. Moi, je pense qu'il est. Vous avez fait quoi là jusqu'à présent? On a fait tout le tour, frère. C'est vrai, vous avez fait le tour là? Bah, sauf des rues. Oh, il est là-bas. Je l'ai vu, il est là-bas. C'est vrai? La vieille mère, il est là-bas. Ah, ouais, les gars, je suis plus du tout caché là. Là, je suis plus du tout caché. Ah, et du coup, t'es pas dit Toto? Et tu vas devoir trouver les gens avec le costume que t'as perdu. C'est le gage à chaque fois. Non, c'est ta mère. T'es sûr d'avoir vu une banane? Parce que là, il y a aucune banane. Mais hein. Si. Par contre, s'il bouge, enfin, Lisa, elle se fait enculer. Hein. Là, faut que je me retrouve une cachette. En vrai, je vais me cacher là. Franchement, je vais me cacher sur le côté. Juste là, en vrai, il peut pas me trouver. Ah, je vais me cacher là, l'équipe. Hein. Oh, la vie de ma mère, il a bougé. Le Marseille, on va le retrouver, on l'encule. Non, non. Non, Thomas, c'est pas le principe. Il a perdu. Non, cours pas! Toi, tu vas te faire la cheville! Avec ses petites jambes là. Je l'ai vu, je crois, dans le reflet. Il est là? Filme-le. Le reflet, il est merveilleux. Dans le reflet. Oh, venez, on le prend par surprise. En filature, les gars, en filature. 3, 2, 1. Bouge pas, trouvé, bouge pas. Trouvé! J'ai été trouvé en dernier? Oui. J'ai gagné, je vous l'avais dit que j'allais gagner, les gars. Ouais, bravo. Bâtard. Et toi, t'as pas vu Régino? Et nous, on a vu Régino. Comment tu fais la banane, toi? Vas-y. Alors, Régino, il fait pas comme Régino, ça. Vas-y, comment il fait comme ça? Mais moi, je mange avec la peau, moi. Non, pas comme ça. Ouais, voilà, ouais, juste comme ça. Voilà. C'est Régino ou. C'est Régino. Régino Khalifa? Allez. Allez, on se retrouve. Non, la manche 2, me dis pas qu'il y a une manche 2. On se retrouve directement à République pour la manche 2. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du sponsor du jour qui est Jaffy. Allez, venez, je vais vous en parler. Jaffy, c'est une marque qui agit pour le bien-être des chats et des chiens en leur proposant une alimentation de très haute qualité et personnalisée. Regarde là. Regarde tous les produits qu'ils m'ont envoyés. T'as les petites gâteries. Là, il y a écrit pour Ebenga. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est le chat de Chloé. Ils ont envoyé des croquettes pour Ebenga et pour Nala, mon chat à moi. Du coup, ils vous envoient des croquettes personnalisées en fonction de la taille, de la race, du chat ou du chien. Et c'est trop bien parce que du coup ça favorise la mastication et du coup la digestion. Et en dessert, petite compote. Exactement, avec les compléments digestion, ça c'est super parce qu'il y a des probiotiques et il y a un bon goût de poulet à l'intérieur et ça permet de mieux digérer pour les animaux. Vous avez aussi évidemment les verres doseurs. Non, c'est de la bonne. Oh ouais, c'est bon. Hein. Vieux mère, c'est bon. C'est réservé aux chats formidables à la base. Hein. Jaffy, ce qui est trop bien, c'est que c'est des aliments français et locaux avec des produits naturels sans gluten et avec un taux de protéines animales plus élevé que la moyenne. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que c'est la première marque française à proposer des produits personnalisés pour vos chiens et pour vos chats. Le chien, il fait quoi? Waf, waf. Le chien, il fait waf waf et le chat, il fait miaou 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 miaou.
coup, tout est personnalisé en fonction de l'animal, des protéines, etc. Donc c'est vraiment trop bien. La marque accompagne aussi l'évolution de vos animaux, la croissance de l'animal, la stérilisation, le vieillissement. En plus, l'expérience client est super bien pensée. Faut simplement renseigner le profil de son animal en donnant sa race, son âge, son poids, ses éventuelles maladies. Donc par exemple, moi c'était mon chat Nala qui a 13 ans et qui n'a pas de maladie particulière. Elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. Elle doit faire 4-5 kilos. Et ce qui est trop bien, c'est que la gamme est complète. Donc plus besoin d'aller au supermarché, vous faites tout livrer chez vous. Et évidemment, grâce au code promo MAC50, vous avez 50% sur l'offre de découverte pour tous les premiers clients. Plus un complément digestion offert. Ah ouais, incroyable. Là, je suis désolé, ça a un peu pris l'eau, mais il vous envoie du coup une feuille avec écrit le nom de l'animal et avec tout ce qu'il faut faire, tous les conseils, toutes les astuces et tout. Donc c'est vraiment trop bien. Ce lien est valable pour les nouveaux clients et c'est sans engagement. Donc vous pouvez faire une pause et résilier quand vous voulez. L'offre découverte, c'est 15 jours d'alimentation personnalisée avec le nom de l'animal personnalisé. Un gobelet doseur pour donner les bonnes rations journalières. Et du coup, il y a un fascicule plus les petites astuces que je viens de vous dire. Encore une fois, merci Jaffi. Tout est en description. Merci beaucoup, vous êtes les boss. Et on passe tout de suite à République. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dominicaine. Allez hop, les amis, deuxième partie, c'est parti. Ah, c'est marrant ça. Oui. Ah, c'est marrant. Tu nous laisses combien de temps? 2 minutes? Ouais, 2. Là, on a encore le droit à la place plus la contre-allée, mais pas les rues adjacentes. Autour. Allez, allez, ciao. À toute l'équipe. J'ai le meilleur déguisement. En vrai, je suis déguisé en radar, je vais me mettre devant une rue. Je vais prendre le flash de mon téléphone et je vais flasher toutes les voitures. Il y a moyen que je me fasse casser la gueule ou que je me fasse arrêter par la police. Mais bon, on est prêt à tout pour le divertissement. Comment? Je vais beaucoup plus vite que toi. Je peux pas courir, frère. Tu veux qu'on se cache à deux? Bah non, parce que tu vas me cramer. Ah, ok, comme tu veux. Eh, on est bien là. Moi, franchement, je suis bien. Là je vois plus rien là. Ah merde. Là, je t'ai décalé. Je vais décaler la tête. Ce qui me saoule en fait, c'est d'avoir perdu, de devoir chercher des gens en étant en sumo. Eux encore ils vont se cacher. Moi je vais vraiment être à la vue de tous là. Là je suis en plein milieu de répu. Voilà, plein milieu de répu. Là c'est con qu'il n'y a pas un drone qui me filme d'en haut. Je suis tout seul. Tout seul en sumo au milieu de répu. Voilà. N'allez pas trop vite en vélo, je vais vous flasher. Ça va pas faire rire non plus. Eh, ça fait rire personne. Les gens à Paris, ils sont aigris. Je fais ça à Marseille, il y a tout le monde qui rigole. Mais à Paris, les gens sont aigris. J'ai l'impression de me faire suivre par un requin. Cette scène, elle est incroyable. Lui tout seul au milieu de la place. Je pense que je vais me mettre là-bas. Ça me fume de rire. À toutes. À toutes, hein. Ah, je suis cuit. J'ai flashé sur vous. Ça va pas faire rire non plus. Personne qui rigole. Ah putain, c'est hyper dur. Je vais souffler. Faut que je cours comme ça, mais regardez. Regardez comme je suis là. C'est si grand, putain. Je vois rien. C'est vrai que Répu, en vrai, tout le monde connaît Répu. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Tout se passe autour. Toutes les manifs, elles démarrent d'ici. Bon, du coup, ma stratégie, c'est de m'éloigner le plus possible de Thomas. Comme ça, il va chercher là où il est. Je pense qu'il va trouver Sacha, parce qu'à mon avis, il s'est barré par là-bas. Du coup, moi, je vais à l'opposé, mais j'ai rien, là. Là, j'ai rien. Voilà, là je vais flasher des voitures là. Je vais me mettre juste derrière le bus, regardez. Là, la place elle est juste là. Et je vais flasher tous ceux qui grillent le feu. Voilà, là il y a des voitures. On va voir ceux qui grillent le feu. Ce qui est bien c'est que là, lui aussi on le voit bien. Eh, c'est nul ici en fait. Quoi? C'est nul. Bah c'est toi, t'es nul. Ouais, aussi. Mais il y a rien pour se cacher là. Bah ouais, c'est compliqué. Je vais me mettre derrière une poubelle, il va jamais me voir je pense. Ah bien joué. Bon bah foutu pour foutu parce que là dans tous les cas, je pense que il va bientôt commencer à nous chercher. On a pris la place la plus vite possible pour se cacher, c'est un truc de fou furieux. C'est un enfer, il y a Max là-bas. Tout seul qui cherche un endroit pour se cacher. Je sais pas où mettre. Cette scène elle me terrifie. Caché ou pas, vous inquiétez pas, j'arrive. Allez, bon, on va pas se mentir, je les ai vus partir par là. Donc, à mon avis, ils sont par là. Il y a Thomas là-bas qui est en train de bouger. Ok, c'est un peu de la triche, je bouge parce que je suis pas encore caché. Là, désolé, je suis obligé. Vous êtes allé trop vite. Je vais m'asseoir sur la fontaine en plein milieu de la place de la République parce qu'à mon avis justement il va faire la stratégie de tourner autour, d'aller chercher les rues etc. Et moi je vais juste m'asseoir hop là, en plein milieu. Bah ouais non mais désolé, j'arrête pas d'abuser. J'adore les fast-food. Il m'a dit faut arrêter les McDo. Non en fait. Oh, y'a un putain de requin là-bas. Vite, suivez-moi. Non. Non! Arrêtez-vous! Non! Arrêtez-vous! Non! Arrêtez-vous! Non! Arrêtez-vous! Wesh! Non. Arrêtez-vous aussi! Il m'a pas vu! Le requin! Il m'a pas. Ah putain, mais je peux pas voir derrière! Le requin, arrête-toi! Je t'ai trouvé, mec! Ok, désolé. Allez, on en parle plus, ok? Putain, Max, tu m'as niqué mon plan! Ah, fais chier! Max, tu m'as niqué mon plan! Allez, je l'attends, je me cache! Je me cache ailleurs, je fais le tour, je m'en fous! Pourquoi t'es pas caché? Je trouvais pas de cachet. Ah oui! Si je cours assez vite, il me verra pas!
Ah bah lui, il est hyper con lui. C'est encore Sacha qui a gagné, ça me saoule. Je trouvais pas de cachette. Mais t'avais qu'à trouver. Tu veux te recacher? Allez, tu sais quoi? Je te donne une seconde chance. C'est vrai? Tu vas te recacher et toi aussi vas te recacher. Ok, je me recache pas loin, d'accord? Ok, il m'a redonné une chance, c'est vraiment très gentil. Putain, j'ai aucune idée. Ah, je pense que je vais aller me cacher là-bas. C'est chiant, mais ils savent pas jouer à cache-cache en fait, les gars. C'est fou, hein. Bon, en attendant, on va essayer de chercher Sacha. Parce que le Nabé, là, il commence à me casser les couilles à vouloir gagner à chaque fois. Lui, à mon avis, il est dans une rue adjacente. Viens, on va faire le tour. Vous voulez que je vous prenne en photo? J'ai un radar. Oui, c'est pour. C'est pour Michou, hein. On fait une vidéo pour Michou. Je pense que je vais nager. Plus vite, Max, plus vite! Plus vite, il va te rattraper! Non! Il faut pas qu'il me rattrape! Il m'a rattrapé ou pas? Non, pas encore! Cette scène est terrifiante! Mec, t'es le spectacle! Le spectacle de Place de la République, regarde! Le youtubeur, vous connaissez pas Michou, le youtubeur? Ben, on tourne pour Michou Inox Tag, là, on va monter l'Everest la semaine prochaine. Donc, là, on se prépare, on flash toutes les personnes qui vont un peu trop vite. C'est quoi le rapport de tous ces trucs-là? Il y a toujours un rapport, faut le chercher. Hein. J'espère que Sacha, il bouge pas, hein. Parce que s'il bouge, je vais le hagla! Je vais le frapper. Mais ils me cassent les couilles, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je les vois, bordel! Ah vraiment, je vais essayer de les faire gagner, mais là, ils sont chiants. Ils font aucun effort, ils se sont même pas cachés. Oui, oui. Une photo, allez-y, oui, allez-y. Avec plaisir. Ça fait partie du concept. C'est hilarant. C'est sublime. Vous venez d'où? Where are you from? Parfait, allez, de rien. Elle voulait pas répondre. Communication compliquée encore une fois. En vrai, ils sont tous cachés au même endroit, je vais péter un câble. Bon, est-ce qu'on peut dire que j'ai flashé sur vous ou pas? Sur vous bah deux. Non, peut-être toi aussi. Est-ce que tu l'as dans le radar? Ah totalement, non, pas totalement. Quoi? Tu viens de le friendzone? Non. Non, vous allez bien ensemble. C'est bon, je suis bien caché là? Ouais, nickel. En vrai, ouais. Voilà, si t'arrives à te dégonfler un peu, c'est pas mal. Ah. Ça, c'est parfait. Oh, y'a un radar là-bas! Y'a un radar! On va les choper. Ah, il m'a trouvé, putain. Attendez. Il est passé devant, il m'a pas vu, je suis bien caché. Faites comme si vous faisiez flasher. Ah, le radar de merde. Le radar de merde qui m'a même pas flashé alors que je suis passé hyper vite. Bah alors, mon sache, bonjour, ça va? Putain, je suis le premier à être. Ouais, t'es le premier, ouais. Coup dur pour mon sache, je suis désolé, hein, mais. Je les ai flashés avant. Ah putain. Bah j'étais sûr de gagner en fait, mais j'ai perdu. Mais j'ai perdu à cause de vous. Mais t'as flashé sur eux? J'ai flashé sur eux et ils sont ensemble dans la ville. Ah, c'est vrai? Il crée des couples, Sacha. Eh ben pour une fois, t'as perdu, mec. Voilà, wow. Bah écoutez, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Je m'appelle Hippolyte. Enchanté, merci, à la prochaine. Merci, salut. Alors, je vais pas te mentir, je sais où est-ce qu'ils sont les autres. Ah, tu as fait exprès de me trouver? En fait, j'ai trouvé d'abord Max et Vincent, mais ils avaient pas eu le temps de se cacher. Donc je leur ai dit, bon, je vais être gentil, recachez-vous. Et ces enculés, ils se sont recachés au même endroit. Genre, ils ont fait aucun effort. Ah, ils ont pas bougé, ils sont toujours là-bas, je les vois. Mais oui, ils se cachent ensemble, ils sont en train de faire des bébés Mario et requins. J'espère qu'il va pas mettre trop de temps non plus, parce que bah, c'est un peu la galère là. Mais sinon, je suis bien là, en détente ma biche. Le gros sumo là. Il paye vraiment rien pour attendre. Regardez, c'est con là. Attends. Non. Non. Salut, ça va? Tu m'as trouvé? Ouais, c'est trouvé. Ok. Je venais de faire un... Putain, je me suis bougé pour faire un plan de fou. Ouais, c'est dommage, hein. Ah putain, tu m'aurais pas vu sinon. Ah si. Bah t'es bleu en fait. Et il y a un truc marron là. Allez, tu descends. Allez, comment je fais là? Tu descends. Et Vincent, il est où là, ce bâtard? Je l'ai vu, il s'était caché ici. Eh oui, c'est moi, bonjour, ça va? La forme? Eh nickel, c'est lui au loin. Je vais aller direct. T'as reconnu tout de suite? Ah bah, je suis un groupe de Mario. Ah ouais, c'est vrai? C'est tout mon enfant ça. Ah ouais? On fait un cache-cache déguisé. Moi je suis en Mario, il y a un requin, il y a un sumo et il y a un radar. Et c'est un sumo qui me cherche. J'ai vu Mario être sur Tinder là, sur son téléphone là-bas. C'est vrai? Ouais, il était en train de swipe Peach, Daisy et tout là. Et c'est vraiment un coureur de jupons lui, hein. Sur un banc, j'attends, tranquille. Franchement, il n'y a pas du tout de cachette. Puis c'est gros et puis ça passe. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Alors après, je suis rouge, le chapeau et tout, ça se voit peut-être de loin, je sais pas encore. Ah, Mario est en train de s'acheter les copes là. Ah. Attends. Ah. Déguisé en serveur. Il est déguisé en serveur, les gars. Parce qu'il est fan de Mario en fait, du coup. Ah ouais, j'étais obligé de discuter avec lui. Vous avez pris une photo? Non, on a pas pris de photo encore. Bah oui, pris une photo, bah ouais, les gars, je vous prends. Ah, regarde. Voilà, parfait. Ah ouais, l'original. Eh oui, c'est l'original. Ouais, attends, ouais, bah attends, ouais, vas-y, voilà, attends, on va prendre une autre photo. On va prendre une autre photo. Ah, tranquille. Vas-y, on va prendre une autre photo. Tranquille, on est ensemble. Ça va bien? Eh, le radar, moi je roule tranquille. Hein. Ah. attention. Attention, il t'a à l'œil. Hein. Tu veux faire une photo? Ouais, bah ouais, carrément. Allez, vas-y. Hein. Ah là là, parfait. Ouais. Bon bah du coup, on a tous perdu là. Ouais. C'est fini, t'as gagné toi. Oh yes. Allez, on passe à la manche suivante.
Les amis, prochaine manche, on est à l'Arc de Triomphe. On a le droit d'aller sous l'Arc de Triomphe et tout autour de l'arc, ok? Let's go! Merci. Bon les gars, je pars avec un désavantage. Je ne connais pas Paris, je viens de Marseille. Donc là... Je peux avoir mes chances, mais wesh, comment on fait pour y aller? Attends, tu vas au milieu? Non, lui, pour chercher. Du coup, la strat, je pense, c'est s'éloigner le plus, donc ça allait de l'autre côté là-bas. Moi, en fait, je vais aller sur les champs. Je vais faire quelques photos avec les gens. Ouais. Je vais les faire payer. Et comme ça, au pire, ils me trouveront en dernier et j'aurais fait un peu de bénéfice. Eh, c'est rentable, hein? Bah ouais. Rentable cette histoire. Allez, salut Vince! Ciao! Je sais pas où ils vont se cacher les autres parce que franchement, c'est assez compliqué, je pense. En détente. Ça, c'est un vrai travail pour la confiance en soi et pour le ridicule. Putain, on est sur les champs en détente là. Eh, profitez, hein, Paris est la plus belle ville du monde, hein, regardez ça. Magnifique. Oh, bateau! Mais wesh, arrête là! Tu me tues, choisis ton chemin un peu! Vas-y, moi je vais par là! Allez, vas-y! Putain, je suis tellement le Golemon que je pense être. Tout le monde me regarde. Tous les touristes qui nous regardent, c'est terrible. Putain, mais il fait que me suivre, j'ai l'impression. Les gars, il est toujours là. Moi, je voulais faire mon petit chemin tout seul. Il est chiant, il est juste à côté. Ah, salut, Vance. Ah, mais... Ça va? Ça va ou quoi? Vas-y, ça fait plaisir. Vas-y, à tout, hein. À tout, hein. Casse les couilles, connard. Bizarre, il a l'impression qu'il va au même endroit que moi. Je sais pas, il est chelou. Il kiffe ou quoi? Et voilà. Et là, je suis au milieu. Mais bizarrement, je sais pas, je me dis qu'il va pas, il va pas réfléchir à penser au milieu parce que lui, il est marseillais. Il sait pas comment aller au milieu. Donc là, je vais être en détente. Regardez les gars, déjà ça commence mal, il y a des gens qui sont habillés en full bleu. Vu qu'il pleut, il y a des gens qui ont des kawés jaunes, des kawés verts, des kawés bleus. Donc ça va être dur de les trouver et de voir la différence entre des civils et eux. Et bon, c'est parti, venez avec moi. On va la jouer stratégique. Je vais d'abord faire les côtés et ensuite, je vais aller voir à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Bon, petit prono, je vais trouver Max en premier, juste pour niquer sa vidéo. Mec, j'ai un peu plus de courir là. C'est trop chiant. Faut que je trouve une cachette, mais je trouve rien. En fait, c'est juste un copier-coller, à chaque fois il y a la même chose. C'est trop chiant. Mais en fait, peut-être la stratégie d'aller au milieu, c'était une bonne stratégie. Hein. Allez, tu sais quoi, je vais au milieu. Allez, vas-y. Je pense que c'est une grossière erreur. Ok, les gars, je sais où je vais me poster. Je vais aller au milieu. Par contre, alors, l'Arc de Triomphe, c'est super. Hein. Mais comment on traverse, bande de fous furieux. Les gars, je vous jure, je ne sais pas comment on traverse. Ça choque personne, en fait, de voir un radar marcher. Il n'y a pas grand monde qui... Tu sais pourquoi les gens sont plus choqués de te voir comme ça? Parce que t'as un radar mobile. Excellente celle-là, tu pourras la garder. Hein. Bah, je te la donne, c'est pour toi. J'aime pas, après je vais l'avoir là, de me dire je l'ai volé à quelqu'un. Dans la 10 ans tu vas faire. Voilà. Tu sais pourquoi les gens sont... Non, c'est le mec qui dit ça. Moi je vais plutôt tracer tout droit, sans me poser de questions, et je vais faire ma stratégie d'aller juste à l'opposé. Comme ça, dans tous les cas, il va traverser, il va aller au milieu à l'Arc de Triomphe, il va trouver Thomas, et Max aussi, parce que je crois que Max va là-bas. Et moi je serai le dernier, puisque je serai le plus loin. Voilà, stratégie bête. Mais efficace. C'est hyper central. Et là, il y a la flamme du soldat inconnu. Voilà, un peu d'histoire, ça vous fera pas de mal. Regardez des enfants de 25 ans déguisés dans Paris. Le plus dur à trouver, ça va être Spider-Man, je pense. Ça va être Thomas. Parce que la couleur, elle se fond bien dans le décor. Et en plus de ça, elle peut aller de partout. Ou alors, je me pose sur un banc et je regarde la scène. Ça peut être incroyable aussi. Comme la stratégie Mario. Je me pose sur un banc. Oh, c'est trempé. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Alors qu'il avait dit qu'il allait au milieu, ce con. Vincent, salut, ça va? Ça va? Ouais, et toi? Putain, c'est fou. Je me demandais comment on traverse. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas? Bah, faut traverser, quoi. Ah ouais? Bah, mec, j'en ai aucune... Ah, mais non, mec. Il y a les passages. Attends, il y a Max. Oh, regarde-le, là-bas. Il y a Max. Tout là-bas, ce petit guignol. On est tellement les Golemons qu'on pensait être. C'est terrible. Putain, je crois que j'ai trouvé Max. Il est sur le dos du monsieur. Il est là, Max, les gars. Bonjour. Bonjour. Votre sac, il s'appelle Max? Je sais pas. Non. Je me suis trompé, alors, désolé. C'est pas lui, les gars. Fausse alerte, c'est pas lui. Il y a mon Vince là-bas, regardez, en bleu. Il est assis sur un banc. Mais on le voit, à mes yeux, c'est hyper simple à trouver. Il va flasher le mec en vert là-bas. Ensuite, il va continuer, il va aller à l'intérieur. À l'intérieur, il y aura ce gros con de Spider-Man. Et ensuite, il me verra moi seulement à la fin, quoi. Il est là. Je vois Max, les gars, au loin, il est là-bas, regardez. On voit une grenouille verte sur l'Arc de Triomphe. Il est là-bas. Bon, on peut considérer qu'il a perdu, je l'ai trouvé. Hein. Retenez bien, les gars, je l'ai trouvé en premier. On viendra ici en dernier, mais je l'ai trouvé en premier. Ça me tue de rire, hier. Il y a Max qui se pose, on dirait qu'il fait des TikTok et il y a les flics juste à côté. Il y a Max qui fait un POV là-bas et t'as les flics qui le regardent. Ah, ça me fume, cette scène me fume. Là, il y a un mec full bleu assis sur un banc. Après, ça peut être les personnes d'entretien qui nettoient. Des fois, ils sont habillés en tout bleu. Je pense que c'est Vincent. Allez, go, feu rouge. Ah, je le vois, il est là-bas, regardez. Il est là-bas, je le sens, j'ai le flair. Oh putain, il va voir Vincent, c'est sûr. On a trouvé le premier, je trouve. On va essayer de le prendre par derrière. Enfin, le prendre par derrière. On va essayer de passer par derrière. Il est juste là. Et le radar est juste là. Elle n'empêche que le jeu est très drôle.
des bonhommes de couleur à trouver dans Paris. Ouais, c'est marrant de ouf. Putain, l'enculé. C'est marrant de ouf, tu trouves pas ? Oh, l'enculé. Ouais, y'en a un. J'étais persuadé que tu arrivais direct au milieu. Oh, je suis trop si ça peut te rassurer, j'ai trouvé Max en premier. Oh, c'est vrai ? Je l'ai pointé du doigt, j'ai dit, je vais pas y aller maintenant. Un mec vert en plein milieu comme ça ? Bah, je me suis trompé. Il y avait un mec qui avait un sac à dos vert, je pensais que Max était sur son dos. J'ai demandé, il m'a dit non, mon sac s'appelle pas Max. Mec, mais bien joué, hein. Bien joué. J'étais vraiment persuadé que t'allais traverser direct là et qu'après t'allais continuer. Du coup, que moi j'allais voir la scène comme un roi, tu vois. Bah non, je suis niqué. C'est ici la scène ? Non, non, la scène, c'est un autre mot. Mais ok. Bref. Ils sont juste de l'autre côté. On m'a toujours pas trouvé. Faire quelques pompes. C'est. Facile. Un mois et demi de salle. Putain, j'ai trop le marche, j'ai toujours pas trouvé. Oh, attends, oh, je peux aller sur l'arc de triomphe là, poser sur l'arc de triomphe. Il y a les flics, putain. Ouais, j'ai trouvé ça trop drôle, les flics à côté de Max, c'était hilarant. Bon, Max, on t'a trouvé. Bon, j'ai été vu là cette fois. Là, c'est bon, ils m'ont vu. Par contre, pour aller traverser, j'arrive. J'ai envie de traverser au milieu pour gagner du temps, mais vas-y, j'ai pas le droit. Ok, les gars, je vais me poser ici, comme ça, en mode araignée. Je vais rester comme ça, les gars. Eh, quel charisme quand même. Dès qu'on est en radar, il y a du charisme tout de suite. Direct, ça impose le respect, ça force le respect. Ok les gars, je vais rester comme ça. En mode Spider-Man les gars. Là, j'ai le contrôle sur la ville de Paris. Regardez-les. Regarde-le ce con là-bas. Max, il y a ton sosie là, le petit bonhomme vert pour traverser. Que il veut me faire depuis des années, frère. J'ai trouvé. Bonsoir. Ça va, tranquille. Ça va. Ça va bien. Ça va, tranquille ou quoi ? Famille. Mais que tout le monde, ils essayent de me refaire, mais je suis inégalé et inégalable. En fait, je t'ai trouvé en premier, au fait. Hein. T'avais vu de loin, de toute façon, il y a les rushs. T'as perdu, mec. Après, j'allais pas traverser, voilà, mais... Ouais, et... T'as perdu. Allez, on va chercher l'araignée, Miskin. Miskin, l'araignée. Je suis pas où aller, hein. Bonjour. Monsieur. Ça va ? Je t'ai mis à faire descendre. Ok, ça marche, pardon. Pas de soucis. On évite de monter et l'escalader de ces étoiles. Bien sûr. Ouais, bien sûr, désolé. Ailleurs, on s'en fout, mais là, on évite. Pas de soucis. Désolé, messieurs. Bonne journée. Merde, putain, je me suis fait virer. Bon. On va rester ici, hein. Tant pis, hein. On va à l'arc de Spi ? Ouais. Ah ben, on voit un petit chien. Oh là là là. Si vous avez un petit chien comme ça, faut passer par Jaffy. Vous m'appelez, vous dites bac 50, 50% de remise sur l'offre découverte, un complément de gestion offert. Hop là, c'est dans la poche, hein. Une affaire qui roule. En vrai, je suis trop content de faire des sponsors avec des sociétés comme ça que j'aime bien. Je suis allé dans les bureaux et tout. L'équipe, elle est comme ça. Et tu utilises des produits au quotidien ? J'utilise des produits au quotidien parce que moi-même, j'ai mon chat qui habite à Marseille. Il loge chez mes parents. Il se fait entretenir. Et Jaffy l'entretient également. Et ça, c'est fou. Jaffy, à ne pas confondre avec Jarry. Oh, c'est autre chose, c'est un humoriste. C'est un humoriste, ouais. D'ailleurs, gros big up à Jarry, on l'adore. Ah, attends, par contre, s'il me jarte encore de là. Ouais. Ça va, ils avaient bien ce qu'il y a. Non, t'inquiète. Ils sont marrants, les flics d'ici. Les Avengers. Alors, c'est pas les Avengers, mais il y a un truc. Je pense qu'on peut monter une équipe. Elle est là, je l'ai vu de dos. C'est Spider-Man, l'arc de triomphe. Ah ouais, trop stylé. Ah, il se prend la photo. Attendez, venez, je sais comment on y va, l'arc de triomphe. Allez, venez, je vous y emmène. Putain, ça fait 22 minutes déjà. Ça chauffe, un effort, là. Après, j'avoue, j'ai peut-être un poil triché parce que j'ai bougé, mais pendant longtemps. Mais en même temps, c'est parce que je trouvais pas de cachette. Regardez-le. Il est posé, il est assis. Il est Zeppo, frère. Jordan Zeppo. Oh, toutes les vannes comme ça, soit je les cut, soit je les laisse toutes. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est un enfer. En vrai, Prem Dug, je pense que je vais faire des live IRL, les gars, où je serai en Spider-Man. En vrai, je suis sûr que ça marchera trop bien. Les gens, ils aimeront trop dans la rue, tu sais. Genre, ça apportera un peu de bonheur aux gens, je pense. Pareil, je vais faire ça, mais dans des hôpitaux pour donner un peu le sourire aux gens qui sont pas très bien en ce moment et tout, qui traversent une période un peu difficile. En vrai, c'est grave un truc que je veux faire. N'hésitez pas à donner de l'amour et du sourire, surtout aux gens autour de vous. On n'a pas le temps de s'embrouiller, les gars. Là, on va passer par là. Ah non, c'est pas les champs encore ? On est juste en train de faire tout le tour. Ouais, quoi, c'est les champs, ça, alors, ça fait 20 minutes qu'on l'a trouvé. Mais à chaque fois, il y a des passages, il veut juste pas les prendre. Venez, suivez-moi. En fait, j'y étais juste tout à l'heure. Hein. J'aurais pu rester là-bas, ça veut dire. Ça doit être si long pour Thomas. Bon, les gars. Il serait temps, là. Hein. Surtout que là, je commence à avoir le cul trempé, là. Oh, les gars, je vous jure, j'en peux plus. Je vais retirer mon masque. On va aller accomplir notre mission. Discretos, les gars, discretos. Il était de l'autre côté, je crois, non ? Il était là. Il est où, frère ? On l'a vu au loin. Non, je pense qu'il était pas là, hein. À mes yeux, il était sur ce poteau-là, il était comme ça. Et il attendait, tu sais, il était assis. Il était comme ça. Et on le prenait en photo. Ah oui, parce qu'on était juste derrière.
On était là, on a traversé, tac, chemin en dessous, tac. Ah, il a dû partir, hein. Putain, il est vif, le mec, hein. Ah, il est là, putain. Vous voulez une photo, les gars? Ah ouais, s'il vous plaît, ouais. Avec grand plaisir. On cherche un pote, c'est qui? Thomas, il s'appelle. Thomas. Et vous l'avez trouvé? Non, il est un peu comme toi, mais... Sans le masque. Plus beau. Ouais. On me prend une photo? Ouais, bien sûr. Une photo. C'est... Ah, c'est stylé, ça, hein. C'est stylé. Je peux voir, Despi? Ouais, je t'ouvre. Oh putain, tout! Attends, mais t'es au call? T'es en call? Ouais, je suis en call. T'es en call? Ouais, c'est moi. Ah non, c'est tout! On a gagné tout! Ah, j'ai gagné! Ah, oh, merci! Bravo, ça fait plaisir de gagner en Spider-Man, les gars. Bah, tu m'étonnes. T'as eu un super pouvoir ou quoi? C'est là que vous me l'exportez. Hein. T'étais là depuis le début? Non, bah, alors oui. En fait, j'ai fait tout le tour et en fait, je trouvais rien, donc du coup, je suis venu direct là. Je me suis posé là debout et les policiers ils sont venus, ils ont fait: hey, Spider-Man, on t'aime bien, mais descends, frère. C'est le bochi privilège, ça. Ah, merci. Dernière manche? Dernière manche? Dernière manche. Dernière manche. Dernière manche. On est devant la Tour Eiffel au Trocadéro. On va pouvoir se cacher tout autour de la place et en bas, il y a des jardins. Venez, on va aller voir ça. On a le droit de descendre un peu? Ouais, on a le droit d'aller se cacher dans les jardins. Bah, allez-y d'ailleurs. Thomas, il est terrifiant. Quoi? Non, je suis pas terrifiant, non. J'allais voir les enfants, je vais faire: bonjour les enfants, vous voulez jouer? C'est terrifiant. Bon, ça va être compliqué de se fondre dans la masse. Je suis déguisé en œuf au plat, les gars. Je sais pas si ça se voit, j'ai la petite kippa œuf aussi. Je suis full œuf. Je pense pas que ce soit le déguisement le plus voyant, donc ça devrait le faire. Où est-ce que je me cache de merde là? Salut! Aucune idée de qui c'était. Ah bah qui je vois. Salut, ouais. Enchanté, Sacha. Thomas, enchanté. Tu veux jouer avec moi? Bah oui, viens, on va se cacher ensemble. Je pense que je vais descendre, mais pas trop bas. Il va speedrun pour aller en bas. Moi, je vais rester un peu en hauteur. Ou alors, je me cale dans une petite fontaine sur le côté, là. Tu vois, parce que je me dis, il descend là. Tac, tac, il va là. Déjà, une chance sur deux qu'il prenne de l'autre côté, là où Thomas est parti. Donc, est-ce que naturellement, il ira à gauche ou à droite? Je sais pas où foutre. En vrai, si je pouvais me cacher dans les fleurs, je le ferais, mais j'ai peur que ce soit irrespectueux pour les jardiniers qui bossent dedans. Là, vous savez où je vais me cacher? Je vais le tenter, dans le petit coin, là. Je vais me mettre juste là. Il va pas me voir en descendant, mais là, je pense que je suis plutôt bien caché. En fait, ça me terrifie et ça me gêne énormément les gens qui sont déguisés dans les lieux publics. Premier degré. Et le fait de l'être et d'être, le fait d'être dans une vidéo, ça me, tu vois, ça me décomplexe. Oh là, il arrive déjà. Putain, il arrive déjà. Je vais me mettre juste derrière là, juste derrière le sapin. Donc, je remonte dans l'herbe par contre. Je sais pas si j'ai le droit d'aller dans l'herbe. Ah, mais là, je me cale là. Hop, la pépère. Là, je suis parfait là. Je pense que je suis plutôt bien caché. Pas sûr qu'il me trouve en premier. Franchement, regardez où je suis. Caché sous des palmiers. Un œuf sous un palmier. Je pense que Thomas, je peux le voir d'ici normalement. Et c'est peut-être l'endroit le plus grand qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que regarde, ça va jusque là-bas. Ouais, ça va loin sur les côtés, wesh. Bon, les gars, je suis carrément caché juste à côté des fleurs. En vrai, là, il peut pas me voir normalement. J'en profite. Rejoignez-moi sur Twitch, Tomouy, T-H-O-M-O-U-Y, les gars. Suivez-moi, il y a pas mal de lives qui arrivent, dont pas mal avec Max. Là, en novembre, les gars, ah, poulet que ça va être. Les gars, ça va être fou. Je peux pas trop vous dire, juste vous dire que ça va être fou. Imagine si un jour on m'avait dit tu seras déguisé en œuf au plat devant la Tour Eiffel. Vraiment, j'aurais jamais parié sur ça. Si vraiment vous avez un rêve, Max peut tout réaliser. Envoyez-lui un DM sur Instagram. Il aime trop ça, il répond à tout le monde. Vous l'inondez de DM sur Instagram, les gars. Il va pas tarder. Ok, il est là. Je suis passé, alors j'ai commencé par la droite, c'est pas pour une raison particulière, commencez pas dans les commentaires à dire « Ouais, il a commencé par la droite, il vote les gens de droite ». Alors peut-être, mais peut-être pas aussi quoi. Ah, j'ai la haine. Wow. Ah, j'ai la haine. Putain, j'étais trop bien. T'étais bien caché. T'es arrêté. T'allais tracer là. Putain. Premier degré, j'allais tracer. Hein. Et je me suis dit, la haine. Ça va être long, genre. Putain, je suis le premier là. Ouais. Putain, trop la rage. Voilà. T'étais en train de dire un truc, je veux pas te couper, hein. Vas-y, continue. Hein. Non, j'étais en train de dire, ouais, tu commences par la droite. Ouais. Tu votes pour des gens de droite, peut-être. Ouais. Mais peut-être rapport, pas aussi. Par rapport au cache-cache, je vois pas le lien. Bah, non, mais je préchote les gens parce qu'ils sont là. Ah ouais, en commentaire. Tu peux choisir la droite ou à gauche. T'as préféré la droite. T'es pas avec le peuple. Je comprends. Le peuple. Faire pipi. Allez-y. Je crois que je travaille ici, les gars. J'envoie des gens me faire pipi. Mon nouveau travail. Bon, les gars, je suis toujours caché là. Je peux essayer de compter les pétales. Vas-y, je compte les pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Franchement, je suis content parce que c'est vraiment le spot le plus beau hein, jusqu'à présent. Ouais, c'est très très stylé. Hein. C'est très stylé. Hein. J'ai un petit peu kiffé en mode je me sors de la vidéo, tu vois. Ouais. Hop là, je regarde un petit peu, je profite. Je l'ai jamais dit. Quoi, le chômage? Le chômage. Ça a du bon. Putain, ça a du bon. Payez vos impôts, les gars. Ouais. Et abonnez-vous surtout. Ah oui, surtout. Abonnez-vous, likez, commentez et tout, ça donne la force de fou. Vous vous rendez pas compte. Et c'est trop simple. Vous avez juste à liker, commenter. C'est quoi? C'est une demi-seconde, je pense, hein, le fait de cliquer. C'est une demi-seconde. Et nous, ça nous
nous donne une force de fou malade. Vous pouvez pas vous en rendre compte. Fou furieux. 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206. Abonnez-vous à Vincent aussi. Ah merci, ça fait plaisir. Il fait des formats verticaux super. Exactement, merci beaucoup. Il se bouge que le en cul. Ce moment, que en, il ce moment. En ce moment. En ce moment, ça fait 2-3 mois qu'il est pas mal. Ça fait 2-3 mois qu'il est pas mal. Il faut qu'on le pousse. Merci beaucoup. Voilà les gars, petit outfit. Outfit of the day. Alors aujourd'hui, j'ai acheté un petit jean de chez F au plat avec un petit crop de F au plat compagnie. Le petit chapeau de 8 au plat. Voilà, c'est la marque après 9 au plat. Et voilà, petit outfit of the day pour les jours de pluie comme ça à Paris. C'est plutôt pas mal. On peut aussi faire la cuisine avec, ça fait tablier. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Paradoxalement, je suis trop gêné des gens qui sont déguisés dans la vie. Comment ça? Et bah là, je le suis, tu vois. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Quand je vois des gens déguisés, je me dis, mais quel enfer. Ouais, c'est ça. Je me dis, mais pourquoi faire? Pourquoi et là, faire je suis dans et une pourquoi vidéo, faire pour faire une vidéo? Tu vois, bah par c'est exemple. Ça. Mais là, tu vois, j'ai arrêté de juger. Il y a un concept quand même. Ouais. C'est pas juste tu te déguises. C'est tu te déguises dans le but de divertir les gens. Regarde. C'est hilarant. Ah bon, bah je crois qu'ils m'ont trouvé. Ça fait tellement clown triste. Et psychopathe, hein, peut-être. Hein. Regarde, regarde comment il marche. Il est deg. C'est la fin de vidéo. Fin de carrière. Fin de vidéo, fin de carrière, fin de journée et tout, frère. C'est, là, il vient de se faire virer du cirque. POV, tu t'es fait virer du cirque. Par contre, il manque quand même un 9 ans. Ah, vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais essayer de le contrer. Je vais essayer de passer par derrière et de le suivre. Je vais essayer. C'est très risqué, les gars. Très risqué. Mais on aime le risque. Allez, j'ai le sable, là. C'est encore Sacha qui va gagner. Cette fraude, là. J'ai trop le mort. En vrai, là, je suis... Je suis très proche de sable de fou. Eh ben... On va rentrer, hein. Fin de partie pour Thomas. Je pense ça, que ça veut dire que c'est Sacha qui a gagné. Hein. Putain, c'est mon sage qui a gagné. Bien joué à lui, hein. Je vais essayer de le contourner, les gars. Je crois qu'il m'a pas vu, les gars. Il est là. Je vous ai dit que je l'ai contourné, les gars. Thomas, toi. T'es qui toi? Non, 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 ça marchera pas. L'illusion moyenne. Ouvre ta gueule. Non. Ah merde. Putain, démasqué le mec. C'est Thomas. Thomas. Eh ouais, c'était Thomas. Vous savez pourquoi vous m'avez vu? Parce que t'es en clown. Parce que t'es en. Non, avec une rose de. Non, en fait, j'étais caché derrière les fleurs. Sauf qu'il y a un gars, il est venu me voir, il fait: qu'est-ce que tu fais, mon ami? Ah là là, putain. Yeah. On fait un cache-cache, les gars. Hein? On fait un cache-cache. Hein? Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, c'est interdit, ça. C'est vrai? Oui, oui. Paris. Ah, Paris, c'est interdit, ouais. Mon ami. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ah! Pour les plantes, pour les goûters. Ok, désolé, pas de soucis. Désolé, c'est de ma faute, pardon. Salut. Mais c'est bien, c'est interdit. Du coup, en fait, bah... Et du coup, t'es pas une... Le chercheur cherchait. Pourquoi il est venu? J'ai réussi à te contourner, je t'ai vu passer par là, j'ai dit les gars, c'est le match. En fait, il est en fait. Vu que tu as vu que t'avais gagné, tu t'es dit ça? Oui, 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 j'ai vu que tu avais trouvé Thomas et tout. Putain, mais t'es grand gagnant. Eh oui. Eh, bravo mon gars. Putain, mais t'es bah, grand vainqueur, hein, bravo. Bravo. La team, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça va toi? Pardon, ça va et toi? Bien. C'est revenu à la mode le léopard, hein? Ouais, ouais. Je sais que beaucoup. Je suis un petit peu c'est tendance. Très j'aime beaucoup. Et toi, le pantalon, il est à toi? Ouais. Il est pas à carreaux. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes des copains sur le stream de mon taux qui s'appelle Tomoui maintenant. Ouais, pas TM7 officiel. Ouais, j'ai changé. Il a changé. J'ai changé. Ah ouais, il a changé. Changement. Entrée du numéro 14, Tomoui. Oui. Hey. Salut les gars. Tomoui, du coup, sur Insta, sur TikTok, surtout sur Twitch. Mon Vincent également, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes disponibles, nouveau l'EP. J'ai pas encore. Mime, bientôt. Bientôt, ça arrive très fort. Et mon sage. F au plat, à temps plein. TikToker marseillais de talent, de renommée sur la YouTubeur aussi depuis que... Il est passé sur ma chaîne d'ailleurs. Arrête. Eh oui. Je vais aller voir ça. Bref, merci beaucoup à tous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on va pouvoir faire une édition 2 avec d'autres personnes à d'autres endroits. On va peut-être aller sur la Tour Eiffel, on sait pas. Wesh. On peut aller dans d'autres villes. On peut aller à Marseille par exemple. S'il y a des créateurs marseillais qui veulent participer, n'hésitez pas. Merci beaucoup mes chouquettes. La bise, c'est ciao. C'est ciao apparemment. Allez. Allez, on enlève ces costumes de cons là.